Alors Jean-Paul, peux-tu nous dire comment et pourquoi sont nées les 24 heures de la nature aux écologistes de Lozière ? C'était en 2010. Et un maire d'une petite commune rurale nous a téléphoné, parce qu'on se connaissait, en disant « on voudrait acheter un bord de rivière, mais ça serait bien que tu viennes nous voir pour savoir si ça vaut le coup, sur le plan du paysage et de la biodiversité, d'acheter ça ». Et donc j'y suis allé avec le maire et le président de la communauté de communes. On a visité ce site, absolument magnifique à mes yeux. Et je lui dis à la fin, oui, il faut acheter, ce serait très très bien. Et en même temps, c'est venu un peu comme ça, spontanément, on pourrait peut-être organiser avec les gens de la commune un 24 heures la nature, c'est-à-dire d'inviter les gens à venir pendant un week-end avec nous faire l'inventaire de ce patrimoine que vous voulez acheter. Et ça s'est fait comme ça.